Je pense qu'on est tous reposés et prêts à travailler. Parce qu'aujourd'hui, on va s'entraîner dur. Aujourd'hui, on va bosser les tirs, messieurs. Je veux de la puissance et de la précision. Allez! Termine! Tire! Vers le but! Merci à tous pour vos efforts. Rentrez chez vous et reposez-vous. On y est. Les meilleurs de l'Ouest. Deux matchs pour désigner qui ira en finale. Quand je vous regarde, je me demande si certains d'entre vous ne pense pas avoir déjà assez donné. On a eu une bonne saison. Pourquoi ne pas s'en contenter? Après tout, il y a quelques mois, personne ne nous voyait en play-off. Vous n'avez pas le droit de penser ce genre de choses. Réfléchir comme ça, ce serait trahir tous vos coéquipiers. Ce serait trahir tout ce que le club représente. On est là pour être les meilleurs individuellement et collectivement. Écoutez ces supporters. Ils attendent le meilleur de nous. Notre devoir, c'est de leur donner ce qu'ils veulent. Jouez avec fierté et avec force. Battez-vous pour votre équipe et donnez à ce club la place qu'il mérite. Si se puede. Si se puede. Let's go. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette finale allée de la Conférence Ouest. Je suis bien sûr avec Pierre Ménès qui va suivre cette rencontre avec moi. Oui Hervé, c'est le dernier match avant la grande finale de la MLS, tu le sais. C'est donc une double confrontation qui nous attend. On a ce qui se fait de mieux dans la Conférence Ouest. Ça va évidemment être un beau match. Here is the LA Galaxy lineup.
pittoresque, hein, ce StubHub Center où on se trouve aujourd'hui, Pierre, ici à Los Angeles. Ouais, enfin Los Angeles, on est à Carson en fait, c'est à Fronborn. Oui, on va dire, on est dans le grand Los Angeles au sens large. C'est immense Los Angeles, hein. J'ai vu que c'était grand comme deux fois la Suisse. C'est fou. Oui, donc moi je reste sur Carson parce qu'un match à Porto Corbo, je me vois pas dire bonjour, ici Pierrot en direct de Paris. Ouais, bon, bah donc on est au StubHub Center en tout cas. À Carson. Voilà, à Carson. Voilà. Si tu veux. Je vous laisse prendre connaissance de la composition de l'équipe locale. On voit une équipe qui va évoluer en 4-4-2. Avec un attaquant légèrement en retrait, c'est la différence par rapport à un 4-4-2, disons plus classique. On attend que lui, tiens. Ah ouais, c'est une bonne passe ça. Oh là là, on a failli assister vraiment à l'ouverture du score en tout début de match. Ouais, on l'a senti un peu en panique, comme s'il était surpris d'avoir une si belle occasion d'entrée de jeu. Oh, c'était dangereux ça, mais la défense est bien intervenue. Voilà un joueur que l'on va suivre vraiment de près dans ce match. Doublé lors de son dernier match avait marqué les esprits. Il est en pleine confiance. On s'approche du but. On s'entasse. Et ça donne un petit peu d'air avec ce dégagement. Jones. Alex Center. Pour se saisir du ballon. Jones. Et non, il rentre le ballon à l'adversaire là. Ouais, joli, il est 1-2. Attention, il a du champ devant lui. Oh, il s'est fait déposséder du ballon au tout dernier moment. Jones. Ouais, il est vigilant, il protège bien son ballon. Il n'y a rien à dire. Ouais, l'attaque enrayée. Ouais, la bonne circulation du ballon. Hunter. Et on change tout. Hunter. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Ah là, ça joue vers l'avant. On cherche un petit pied dans la surface. Ça part bien, action dangereuse. La passe est interceptée. Hunter. Le ballon qui change de position. Ah, facile la récupération. Ah, c'est une belle abnégation hein, chez ce joueur qui a fait l'effort. Ah, elle a du potentiel cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Et ça sort en 6 mètres. Attention que ça peut être dangereux. Mais bon, bah, il prend sa chance. Ah, c'est donc l'ouverture du score dans cette finale aller. C'est maintenant qu'on va voir si le LA Galaxy a du caractère. On l'a déjà prouvé cette saison, mais là, en finale de conférence, même pas tout à fait pareil. La pression n'est pas la même. Ce but qui va nous valoir de belles images au ralenti. On va bien en profiter. Un but en deux temps, un peu chanceux, certes, mais il fallait être là au bon moment et surtout garder la tête froide pour la mettre au fond. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage.
Dos Santos. Alex Hunter. Ouais, un bon ballon d'attaque. Hunter. Jonathan Dos Santos. Et la voilà, la frappe. Oh, c'est à côté. Oh, c'est pas passé loin. Ouais, c'est une occasion nette qui s'envole. En 1-2. Dos Santos. On s'approche de la zone de vérité. Belle intervention, changement de possession. La passe qui trouve un joueur de l'équipe adverse. Les 30 derniers mètres. De la tête, bien joué. Romain Alessandrini. Oh, c'est bien donné en profondeur. Non, non, ça ne passe pas. Allez, peut-être une bonne touche là. On a décidé de laisser venir l'adversaire, visiblement. Hunter. Par les fautes, la frappe. Oh là 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 là, ça passe pas loin. C'est bien défendu parce que le tireur n'a pas eu le temps d'ajuster son tir comme il l'aurait voulu. Et l'attaque va s'arrêter là. Un vilain passe directement à l'adversaire. On s'approche du but. Il est là pour récupérer ce ballon. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Encore un bon ballon. Ballon pour Hunter. Jones. On jouera 2 minutes de temps additionnel. Ah, la passe n'est vraiment pas à destination. Voilà, c'est la mi-temps ici. Le LA Galaxy se trouve mené. Alors bien sûr, c'est que la mi-temps de la finale aller de la Conférence Ouest. C'est déjà une petite alerte. Hein. On verra tout à l'heure si les entraîneurs font quelques ajustements tactiques. Avec quel état d'esprit, on le saura très vite. Jonathan Dos Santos, peut-être une bonne opportunité, attention. Et c'est un corner, hein, c'est le défenseur qui a touché le ballon en dernier. Allez, le corner est tiré au cœur de la surface.
dans la Sandrini. Oh, c'était dangereux, mais il a récupéré le ballon. Bien joué. Allez, peut-être une bonne occasion. La remise directe, c'est bien vu. Oui, attention. Ah non, dommage, la frappe n'est pas cadrée. Oh, le gardien, qu'est-ce qu'il fait ? Freddy Montero. Oh non, il gâche un peu cette occasion. Si vous voulez mon avis, il n'a pas choisi la meilleure option. Hein, parce que le jeu, c'était pas là. Dos Santos. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Allez, encore bien, peut-être, pour égaliser. Il a cherché le point de pénalty sur ce corner. Et ce sera une touche. Oh là là, c'était juste et dangereux. Il est dépossédé du ballon. Ouais, la frappe. Oh, le ballon qui heurte le poteau. Bon ballon d'attaque, il gagne du terrain, un ballon intercepté, mal donné, bien défendu. Dos Santos. Ah non, ballon perdu. Robin Sandrini. Attention, ça peut être dangereux. Voilà, que le gars l'arbitre après cette faute. Je sens que son équipe a besoin de changer quelque chose pour égaliser. C'est pour ça qu'il demande ce changement. Capté par le gardien. Ah ben c'est un adversaire qui récupère cette passe. Tout le monde s'est un petit peu regardé, mais l'attaquant a fait l'effort. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Et la voici, l'égalisation du LA Galaxy dans cette finale aller de la Conférence Ouest. C'est bien de ne pas laisser l'adversaire mener les débats. Ça relance tout dans cette rencontre. Et je sais que t'aimes bien ce genre de but, Pierre. Ah oui. Et ils égalisent donc un but partout. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Ouais, peut-être un changement de possession après ce tacle. Non, elle est interceptée cette passe. Donc, il est sorti en corner pour les Los Angeles Galaxy. Et l'entraîneur qui procède à un changement. Un corner adressé. Alex Hunter. Oh, j'ai cru qu'elle allait rentrer, mais ça passe même à côté. Ah, il a pris le temps de l'ajuster, peut-être trop finalement. Il s'avance vers la surface. Le bon tacle, mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. Dos Santos. Un redoublement de passe, c'est bien joué. Et le gardien qui va essayer de s'interposer. Signalé hors jeu, il aurait dû attendre pour faire son appel. Mathias Lava. 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Offrande, possédé par Alex Hunter. On revoit cette intervention défensive irrégulière.
Ralenti montre bien le mauvais timing sur cette attaque. Mathias là-bas. On s'approche de la zone de vérité. Elle a mis beaucoup d'agressivité dans cette intervention. On est très propre en ce tacle. Ce sera donc une touche. Avec un tir. Non, ça ne passe pas. C'est contré par le défenseur. Alex Hunter. Ouais, ça peut bien partir en contre. Attention. Il est à l'interception. On entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Mathias là-bas. Interception. Ah oui, la bonne passe. Ah non, l'action ne donne rien finalement. La passe était trop appuyée. Ah, on a fait deux jours sur ce ballon qui était difficile à négocier. Ce sera un corner pour les Galaxy. Et un corner à João Pedro. Peut-être une bonne opportunité, attention. Attention à la frappe. Bien négocié par le gardien. Bon, il faudra revoir ce tacle, mais bon. Est-ce que cette faute va lui valoir un avertissement? Ah oui, jaune. Carton jaune. Là, il a brillé tous ses jokers. On est quand même un petit peu à la limite hein, sur ce duel. L'arbitre a sifflé. Bon, c'est assez net sur ces images. Il ne joue pas le ballon et l'arbitre est logiquement intervenu. Oh, parfaitement capté par le gardien. Ce coup franc ne donnera rien. Ah, le gardien donne un sourcil à son équipe. Il vient de sauver cette balle de but, Hervé. Ah ouais, ça c'est bien sur l'aile. Ouais, ballon qui est perdu. Il est un petit peu cerné là. On en reste à ce score de parité pour l'instant, alors que le coup de sifflet final se rapproche. Hunter. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Ouais, c'est bien centré parce qu'il y a du monde. Ouais, ça va sortir. Corner. Et l'entraîneur qui procède à un changement. Ouais, le corner est tiré au cœur de la surface. João Pedro, les joueurs du LA Galaxy qui prennent l'avantage. La finale aller de la conférence Ouest, on ne va pas s'emballer non plus, mais c'est toujours bon pour la conférence. Ah, alors ça, toucher le ballon sans parvenir à arrêter, ça arrive à tous les gardiens et ça fait jamais plaisir. Regardez, un doigt dans le début pour apprécier ce but. Il met la marque désormais de but à 1. La passe est interceptée. Oh, qu'il est important ce ballon, oh, qu'il est important. Ouais, public qui pousse là dans ces dernières minutes. Il peut y avoir le feu. Hein. Alex Hunter. C'est la toute dernière attaque. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Hunter. Il s'avance vers la surface. Elle, la voilà la frappe. Il ne reste plus grand-chose à mon chrono. S'il marque sur ce corner, la cause sera entendue. La frappe. J'espère que ce n'est pas ce qu'il a voulu faire parce que... Il est allé au bout de son geste, il s'était trop mal joué pour que ça donne quelque chose. Fin de la finale aller de la Conférence Ouest et mission accomplie hein, pour le LA Galaxy, Pierre. C'est important de gagner, les joueurs l'ont fait, il faudra évidemment confirmer au retour.
la fin de cette demi-finale et donc une victoire à la clé. Une victoire qui fait du bien évidemment, même si les joueurs savent qu'il y a un match retour. Une nouvelle journée qui s'annonce, c'est une nouvelle journée pour progresser. On donne tout. Je veux qu'on maîtrise mieux le rythme des matchs. Pour ça, il faut faire vivre le ballon rapidement et avec efficacité. Je suis exigeant, mais je sais que vous pouvez être bon. On va vivre ensemble la finale retour de la Conférence Ouest. Pour le moment, ballottage favorable pour le LA Galaxy. Alex Hunter et ses coéquipiers ont une petite avance, en effet, depuis la finale aller. S'ils restent sérieux et appliqués, ça devrait passer. Vraiment apporter quelque chose dans cette rencontre. Ses principales qualités résident dans l'entrejeu, on le sait. Hein. S'il prend confiance et qu'on lui laisse des espaces, tout se complique. Pierre, on voit là une équipe qui va essayer de placer des contre-attaques, comme toujours. Peut-être pas à tous les coups non plus, hein, mais c'est sûr que c'est une de ses qualités majeures.
Le BC Place qui a accueilli des matchs de la Coupe du Monde féminine de 2015. Ouais, et la finale notamment, emportée par les Américaines face aux Japonaises. Ouais, je vois que vous suivez ça de près, Pierre. Hunter, attention. La défense qui maîtrise la situation. Il perd de ce ballon. Attention, il a du champ devant lui avec un tir. Et le gardien, c'est pas fini. La touche pour Los Angeles Galaxy. Attention à la frappe et le ballon dans les bras du gardien. Ballon trop facile à reprendre finalement, perdu stupidement. La passe est mal assurée, c'est une interception. Voilà, peut-être une bonne occasion. Oh, c'est dangereux. Hunter, les Galaxy qui confortent son avance dans cette finale retour. Oui, là, c'est quand même bien parti. À moins d'un gros passage à vide, Alex Hunter et les siens vont jouer la finale de la MLS Cup. Et Pierre, la trajectoire, elle est parfaite. Oui, Hervé, le ballon est bien travaillé, bien frappé, en clair, c'est un calvaire pour le gardien. Le réalisateur qui nous remontre ce but. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. LA Galaxy, number 29, Alex Hunter. Ça part bien, action dangereuse. Le centre sur le défenseur. Le ballon va être en touche. Attention, Trevor Schultz. Please report to guest relations for an important message. Ouais, 1-2. Un ballon perdu, l'adversaire s'est interposé. Hunter. Il y a pas mal de monde pour le presser. Ouais, il se repasse le ballon, ça fonctionne bien. Hunter qui avance balle au pied. L'arbitre qui laisse jouer. Bah, perso, j'aurais sifflé, moi. Hunter. Oh, c'est l'interception. Alessandrini. Un coup tout en finesse. Ah, le buteur qui a eu bien sûr toutes les chances de marquer à cette distance. Il n'a laissé aucune chance au gardien. Le but sous un autre angle. Ça fait 2-0, il domine les débats. Hein. LA Galaxy goal. Number 7. Roman Alessandrini. La passe est interceptée. Non, non, trop mal assurée cette passe finalement. Ce sera un 6 mètres. Non, elle a été interceptée cette passe. Alex Hunter à l'attaque, il gagne du terrain. Ah, la passe. Oh, l'occasion. Non, ça c'est très mal joué. Ça c'est très très mal joué. Il était tout seul face au gardien. Qu'est-ce qui lui prend aussi d'envoyer une menace comme ça? C'est gâché, c'est gâché. Interception. Ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but.
Ouais, la frappe. Un tir complètement raté qui passe très très loin du cadre. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Jonathan Dos Santos. Alex Hunter. Oh, c'est bien donné ça. Ouais, c'est le gardien. Quel dernier mot sur ce ballon? Ouais, belle sortie. Il laisse l'avantage. Ouais, c'est bien arbitré. Ah, ça ne passe pas. Jonathan Dos Santos. Le ballon qui file en touche. Un redoublement de passe, bien joué. C'est un adversaire qui récupère cette passe. Ils sont à la lutte. Ballon pour Hunter. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Ouais, c'est bien centré parce qu'il y a du monde. Ouais, le centre, mais contré par le défenseur. Jonathan Dos Santos. Voilà, belle passe du talon. Ce ballon qui est intercepté. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Romain Alessandrini. Oh, c'est bien donné en profondeur. Ah, c'est dégagé et ce sera un corner. Un corner qui va arriver en plein milieu de la surface. C'est dans le paquet. Il s'est dégagé du point. Ça n'ira pas plus loin. Hunter qui avance balle au pied. Le tir. Mais cette fois, il ne trompera pas le gardien. Un bon arrêt à mettre en son actif. Attention, hein, c'est coup de pied arrêté. Ce sont souvent des occasions de but. Ouais, bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Zardes. Un but tout en finesse. On voit cette frappe tout en finesse, au ralenti. Superbe conclusion, vraiment. Ah, c'est bien simple, tout y est, tout y est. La vista, la lucidité, le sang-froid, l'application. C'est le geste parfait. 3-0, ils prennent le large. LA Galaxy, number 11, Jesse Zardes. On s'approche de la zone de vérité. Ouais, c'est bien donné une fois de plus. Alex Hunter. Allez, il faut qu'il lève la tête parce qu'il y a du soutien. Jonathan Dos Santos. Oui, idéalement servi. Attention. Jonathan Dos Santos. Oh, l'occasion. Un super exploit du gardien sur ce plongeon. Allez, c'est le moment de faire parler le jeu de tête. Allez, le corner est tiré au cœur de la surface. Le gardien qui se frise sur cette tête. On appelle ça les bouclettes, hein. Ouais, ça n'arrête facile. 3 minutes de temps additionnel au minimum. Il s'avance vers la surface. Dos Santos.
mi-temps de la finale retour de la Conférence Ouest et bah, tout va bien pour le LA Galaxy. Disons qu'il a un pied en finale de la MLS Cup et il reste 45 minutes à jouer, l'équipe tiendra son exploit. Qui aurait pu imaginer une telle situation et quelques temps avant l'arrivée d'Alex Hunter. Sont de retour des vestiaires. Avec quel état d'esprit, on le saura très vite. Ballon pour Hunter. Peut-être une bonne opportunité, attention. Touche pour Los Angeles Galaxy. Un bon travail défensif là, de l'attaquant. Allez, peut-être une bonne occasion. Ouais, belle séquence de possession dans la moitié de terrain adverse. La frappe. Oh, c'est qui nous régale encore avec cette parade. Allez, bien s'appliquer sur ce corner. Le corner en direction du point de pénalty. Et on a dégagé pour écarter le danger. Dos Santos. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Attention à cette perte de balle au milieu. Sur position avec son corps pour protéger la balle. Oui, il faut être absolument. Alors qu'on va procéder à un changement. Coming off the pitch, number 31, Russell Tybert. Coming on for the pitch. Un bon ballon d'attaque. Il avance encore. Et il a du soutien autour de lui, c'est bien. Est-ce qu'il va pouvoir centrer? Il va y aller. Un but tout en finesse. Et ça fait deux pour lui. Un doublé pour ce joueur. À 0, rencontre à sens unique. Mathias Lavin, les supporters le qui font profil bas aujourd'hui. Ouais, c'est le cas de le dire. Pas trop la fête dans les tribunes, le moral est touché, c'est sûr. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire hein, qui récupère. Center. Oh, la belle passe. Oh, là, excellente intervention. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Mathias Lavin. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Ah, le bon tacle, mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. Jonathan Dos Santos, Hunter. Les 30 derniers mètres. Un bon ballon qui va peut-être trouver preneur. C'est dégagé en corner. Le tireur qui a visé à la zone du point de pénalty. Number 10, Giovanni Dos Santos.
Attention, il a du champ devant lui. C'est parti vers le deuxième poteau. Le gardien qui a à peine à s'employer pour se saisir du ballon. Hunter. Mathias là-bas. Il tacle dans sa propre surface avec beaucoup de sang-froid. L'adversaire du Galaxy qui a oublié de couvrir le côté. Jonathan Dos Santos. C'est dans le paquet. Mais alors le gardien qui peut facilement s'emparer du ballon. Il avait bien lu la trajectoire. Allez, pour relancer son équipe maintenant. C'est l'interception. Elle est peut-être une bonne occasion. Là, le ballon qui est perdu. Elle entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Ouais, elle avait bien senti les intentions d'Ashley Cole là sur cette passe. Attention, ça peut être dangereux. Dos Santos. Alex Hunter. Jonathan Santos. Oui, attention. Ouais, la belle parade. La belle parade, il éloigne le danger avec un incroyable arrêt réflexe. Ouais, l'adversaire était à bout portant, mais c'est lui qui a eu le dernier mot, bravo. Le LA Galaxy qui n'est plus très loin d'un très bel exploit. Il faut tenir, il suffit de tenir maintenant. Ouais, pour l'instant, ça se présente bien et tu as raison de parler d'exploit parce qu'avant l'arrivée d'Alex Hunter, la situation était loin d'être simple. Et là, le club se met à rêver. Jonathan Dos Santos. Le ballon pour Hunter. Ah non, c'est un adversaire qui récupère cette passe. Hunter. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Le centre vers ses coéquipiers. Ah, bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Alessandrini. Ouais, un bon ballon d'attaque. Jonathan Dos Santos. Oh, la parade du gardien à bout portant. Il fallait le sortir, cet arrêt. Franchement, c'est bien joué. Un remplaçant va faire son entrée sur le terrain du côté des Galaxies. Encore bien tiré au niveau du point de pénalty. Jonathan Dos Santos, il prend sa chance. Il y aura deux minutes de temps additionnel. Jonathan Dos Santos, on s'approche du but. Et ce ballon qui est perdu. Robin Alessandrini. Le tir. Ouais, la bonne parade. Attention, ce n'est pas terminé. Et on va y retourner. Nouveau corner. Ouais, bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty. C'est terminé et les joueurs du LA Galaxy qui exultent évidemment. Ils sont en finale de la MLS Cup. Le collectif est impressionnant vraiment dans ce groupe. Je me dis qu'on n'est peut-être pas au bout de nos surprises, Pierre. Quel match et quelle saison pour cette équipe au fond du trou il y a quelques mois. Elle remporte la finale de Conférence Ouest et elle peut même se mettre à rêver du titre. Incroyable.
Il vient de signer un match vraiment de toute beauté. Il a été en réussite dans tout ce qu'il a tenté. C'est vraiment l'un des grands artisans de la victoire aujourd'hui. Très bon match pour lui avec un doublé. En plus, c'est toute l'équipe qui hausse son niveau de jeu quand il enjambe comme ça. Donc, peut rentrer à la maison avec le sentiment du devoir accompli et du travail bien fait dans l'intérêt collectif.